s'en aille. Moi aussi, chérie, mais tante Éléonore est malade, elle a besoin de moi. Ouais, je sais, mais... Je te promets de rentrer dès que je le peux. Je sais, tu me l'as déjà dit, seulement je me fais du souci pour papa. Il est bizarre ces temps-ci, il a changé. C'est normal, en ce moment il a des problèmes. Mais il passe plus jamais de temps avec moi. Il m'appelle plus ma petite princesse. Je croyais que tu détestais ça. Ouais, c'est vrai, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a changé. J'ai fait une carte pour tante Éléonore. C'est très gentil, je suis sûre que ça lui fera plaisir. Approche. Il est toujours à la cave dans son labo. C'est comme ça depuis qu'il a perdu son emploi. Qu'est-ce qu'il y fait toute la journée? Il est botaniste, il étudie les plantes. Oui, je le sais. Mais il arrête jamais. Il voudrait prouver à ses anciens employeurs qu'ils se sont trompés en se séparant de lui. Ce n'est jamais très amusant de se faire renvoyer. Tout ça, je le sais. Je crois juste qu'il se passe quelque chose. Un truc pas normal. Que veux-tu dire? Je sais pas trop, mais... Laisse-lui un peu de temps, Margaret. Ce n'est pas facile pour lui. Tu verras, tout se passera très bien. Et je compte sur vous pour prendre soin de votre père. Allez me le chercher, sinon je vais manquer mon avion. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, je t'aime. Et dis bonjour à Éléonore. C'est promis. Au revoir, maman. Au revoir, mon cœur. Et t'en fais pas, je te promets qu'on va bien s'occuper de lui. Oh, Margaret, j'ai laissé le numéro d'Éléonore sur la table de la cuisine. D'accord, au revoir, maman. Au revoir. Papa? Oh, il n'entend jamais rien quand il travaille. Papa! Ne venez pas traîner dans cette cave! Excuse-nous, mais maman nous a demandé de venir te chercher, elle va rater l'avion. Les enfants, pardon d'avoir ainsi élevé la voix, mais je ne veux pas que vous entriez dans mon labo. D'accord? Bon, allez, dépêchons. Vous m'accompagnez dehors? On y va? Et surtout, les enfants, n'oubliez pas ce que je viens de dire à propos de mon labo. Pourquoi il en fait tout un plat de cette cave? Parce qu'il veut pas qu'on s'aborde tous ses travaux. Écoute, t'as entendu? C'est peut-être le vent. Non, c'est pas le vent. J'ai l'impression que les bruits viennent d'en bas. Ça ressemble à un animal. Ouais, on dirait qu'il est blessé. Il faut qu'on aille voir. Mais papa nous a dit... Je sais très bien ce qu'il a dit. Mais imagine que ce soit bien un animal et qu'il soit, comme tu dis, blessé. Il doit souffrir. Nous devons descendre voir ce que c'est. Nous. On jette un coup d'œil, une minute, pour voir si rien ne cloche. Qu'est-ce qui fait chaud ici? Comment papa supporte ça? Chut! T'as entendu? Je sais pas trop. On dirait une jungle. J'ai du mal à respirer. Écoute, on dirait que les plantes respirent. Je me demande si papa travaille sur les pluies acides. La maîtresse en a parlé à l'école. Kazé, fiche en camp. Ah!
tu fais? Cette plante m'a attrapé la main. Mais non, les plantes, ça bouge pas. Mais qu'est-ce que tu t'es fait au doigt? Je me suis piquée sur une des épines. Chercher avant que papa n'arrive. Salut papa. Maman a eu l'avion. Oui. Vous êtes entré dans mon labo. On a entendu des drôles de bruits. Comme une personne qui pleurait. Est-ce que vous êtes entré dans mon labo? On avait peur, les bruits étaient très très étranges. Non, non, non. Est-ce que vous êtes entré dans mon labo? Oui. Mais on a touché à rien. Je te demande pardon. Je suis désolée. Vous n'avez rien? Non, ça va. Parfait. Venez. On va dans la cuisine. Voilà, asseyez-vous. Bien, si je vous expliquais ce que je fabrique dans mon labo, est-ce que ça vous rassurerait? Oui, sûrement. C'est parfait. Alors, je vais tenter d'expliquer ça aussi simplement que possible. Les botanistes cherchent tous à prendre ce qu'il y a de mieux sur une plante afin de le greffer sur une autre. Et c'est ce que tu essaies de faire? Non, 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 non. Je travaille sur un concept légèrement plus inhabituel. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. D'accord? D'accord. Tu pourras peut-être tout nous dire plus tard. Oui, c'est ça, plus tard. Hey, maman a loué des vidéos, alors si ça te dit, je prépare du pop-corn et on les regarde dans le mangeant. Non, 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 j'ai encore beaucoup de travail. Une autre fois, peut-être. Il se passe quelque chose. On n'aurait surtout pas dû descendre à la cave. Miam! Touche pas à ça! C'est pour papa. Il en reste dans la poêle. Papa, le petit déjeuner est servi! Papa? Le petit déjeuner! Tu veux qu'on aille dehors pour jouer? Tu sais comment est papa quand il travaille? Ouais, bizarre. Il est pas bizarre. C'est juste que son travail est plus important que le petit-déj, c'est tout. Il l'avalera quand il aura fini.
Tu vois, qu'est-ce que je disais? Bon, bah, moi, je sors un peu. Oh, non. Le petit déjeuner. Ah oui, j'ai pas faim, chérie. Maman, je l'ai vu en train d'en manger. Je suis sûre que ça a un rapport avec ses travaux. Mais il avait un drôle de regard. Il agit toujours bizarrement quand il se plonge dans ses travaux. Ne t'inquiète pas. Comment va Kazé? Très bien, il est parti jouer dehors. Maman, quand est-ce que tu rentres à la maison? Ta tante Éléonore vient à peine de se faire opérer. Elle a besoin de moi. Ouais, je sais, je comprends. Mais j'ai un mauvais pressentiment en ce qui concerne papa. Bonjour chérie, tout va bien? Oh, c'est terrible. Margaret? Oui. Je devrais passer un peu plus de temps avec elle. Absolument, tu as raison. Tu me manques. C'est d'accord. Moi aussi. J'espère que tante Éléonore va vite se remettre. Chut! J'ai peur, Kazé. J'ai vu quelque chose de bizarre hier soir. Papa s'est coupé le bras et il y avait une substance verte qui en coulait. T'es cinglé. Crois-moi, il était agité. On aurait dit un fou. Il avait des feuilles qui lui sortaient de la tête. Arrête, c'est pas drôle. C'est pas des blagues, Kazé. Oh. Tu veux savoir ce que je crois? Vas-y, dis-moi. Je crois que papa est un savant fou. Margaret! Kazé! Venez, les enfants! Ah!
Bonjour. Asseyez-vous, c'est presque prêt. Je suis certain que ça va vous plaire. Deux petits déjeuners spécial papa. Papa, pourquoi t'as une casquette? Je croyais que tu détestais le baseball. Je crois que ces derniers temps, vous vous êtes demandé si votre père n'avait pas totalement perdu la raison, hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Margaret? Tu sembles perturbée. Allez, explique-moi. Je t'ai vue hier soir. Dans la salle de bain. Tu m'espionnes, ma parole? Non. Seulement... Je sais. C'est juste que... tu te fais du souci pour moi. C'est ça? Papa, pourquoi des feuilles sortaient-elles de ta tête? Eh bien, ce n'est... simplement qu'un effet secondaire de mon expérience. Tout cela va disparaître très rapidement. C'est pour cela que je porte cette casquette en ce moment. Pourquoi une substance verte sortait de ta blessure? Eh bien, en fait, elle ne sortait pas de ma blessure. C'était une sorte de fluide qui émanait des plantes qui sont dans la cave. Les enfants, j'expérimente quelque chose de particulièrement extraordinaire et inhabituel. J'essaie de fabriquer une plante qui soit en partie animale. Tu prélèves des cellules d'un animal pour les mettre sur une plante? Je ne peux pas vous en dire plus. Et maintenant, le petit déjeuner. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite recette à moi. Allez, avalez. Ça sent pas très bon. Mais c'est excellent pour la santé. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Prenez vos cuillères et mangez. J'espère retrouver des assiettes vides à mon retour. Docteur Marek, qu'est-ce que vous faites ici? Faut pas qu'il nous voie. Mais je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis des semaines. Alors comme je passais dans les environs, j'ai décidé de vous rendre une petite... Dépêche-toi, ils arrivent. Je ne resterai pas longtemps. Vous savez que je vous ai toujours soutenu. Ce n'est pas moi qui ai décidé de vous renvoyer de votre poste. Je fais tout pour qu'on vous reprenne. Alors, montrez-moi les progrès que vous avez faits. Oh, bonjour les bonjour. Enfants, comment allez-vous? Vous avez fini votre petit déjeuner? Oui, c'était délicieux. Écoutez, je vous attends en bas, dans la cave. Oui, c'est ça. Allez jouer dehors. Je crois plus un mot de ce que papa raconte. Il a quand même été franc en nous parlant de son expérience. Ouais, mais pourquoi il a voulu nous faire avaler ce truc immonde? Super, bravo. Mais docteur Narek, si vous m'aviez soutenu quand j'ai présenté mon projet au conseil d'administration... J'ai essayé, j'avais tous les chiffres. Tout était inscrit noir sur blanc. Mais ça ne suffisait pas. L'université ne va jamais... Kazé! Attends! J'ai toujours dû batailler contre l'administration. Non, docteur, écoutez, il a fait que me mettre des bâtons dans les roues. Ah, je ne peux pas vous dire ça. Ce laboratoire, vous l'avez monté en partie grâce à moi, docteur. Vous vouliez profiter de moi, mais j'ai compris votre petit malaise. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, croyez-moi. Vous en prie, Camille. Non!